Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vous propose de passer 2 jours avec moi à la Conillet. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver. Et dans cet épisode, je vais vous proposer de découvrir 2 chantiers différents, donc la préparation d'un chantier de foin. Vous avez pu voir dans ce début de vidéo que j'ai pu filmer ce matin un groupe de fauches de 10 mètres qui vient de l'ETA Jagney. Et cet après-midi, donc on va aller voir Guillaume qui est en train de faner avec le 1455. Je vous en dis pas plus, on va aller découvrir ça tout à l'heure et je vais vous expliquer ce chantier. Et demain, je vous ai prévu un chantier de moisson. Donc là, derrière moi, vous voyez qu'il y a la parcelle en bande dans laquelle il y a de l'avoine et du sarrasin. Ça va faire des très belles images parce que le sarrasin, en ce moment, il est en fleurs. Et juste derrière la moissonneuse, je vous proposerai de filmer ce petit ensemble juste derrière moi, un easy drill avec le Classe Action 800 de la ferme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo et à tout à l'heure. Là maintenant je viens de rejoindre Guillaume donc, que vous pouvez voir au fond du champ là-bas et donc il est avec le 1455 et notre nouvelle faneuse, une faneuse Frandan donc qu'on a reçue récemment de l'entreprise Frandan puisque le groupe Burel a repris récemment cette entreprise et donc ils nous ont fait une petite surprise puisqu'ils l'ont peint à nos couleurs et ça nous a fait très très plaisir et donc comme aujourd'hui on avait assez de surface et donc le temps s'y prêtait, on a décidé de la mettre en route. Et on a beaucoup de matière ici dans ce champ et la spécificité de cette faneuse qui est propre au marché irlandais et ben c'est qu'elle est capable de soulever beaucoup de matière grâce à ses peignes en Z équipées d'un crochet et bien, la matière parfois très humide et ça va permettre justement un foisonnement optimal de la matière pour avoir derrière un foin qui va très bien se conserver dans les bâtiments. On remonte tout de suite dans le buggy parce que on va aller le suivre, on va aller faire des prises de vue au drone. Et j'espère qu'il va pas replier la faneuse et s'en aller parce que j'ai pas fait beaucoup de prises de vue au drone. On va aller lui demander tout de suite. Bon, c'est parti. Je vais éviter de faire tomber mon appareil photo. Vous voyez dans ce champ-là, il y a quand même pas mal de matière. Là, je vous le montre tout de suite. Il est là-bas le 14 avec la nouvelle faneuse.
Ça y est, donc deuxième journée à la Cognillet. David vient de démarrer la machine. Moi, je vais préparer mon matériel pour aller le filmer. Et puis, on va aller faire un petit tour avec David en cabine quand il va être en train de semer. Et on va aller faire un échantillon avec Guillaume pour voir si c'est bon. Et puis, bah, on va aller attaquer. Voilà, donc je viens d'arriver sur la parcelle, Guillaume a déjà bien attaqué, donc là on est dans la cinquième bande si je dis pas de bêtises. Donc ici c'est une parcelle en bande et l'intérêt donc ça se résume en 4 points. Donc le premier point bah, c'est de maintenir la faune sur l'ensemble de la parcelle. Ensuite le second intérêt d'avoir une parcelle en bande, c'est de maintenir les exudats racinaires sur l'ensemble de la parcelle, puisque les exudats racinaires, comme vous le savez, ça permet de nourrir la vie microbienne des sols. Donc ce qui est très enrichissant. Ces bandes-là, elles vont servir de coupe-feu naturel parce que le verre, comme vous le savez, bah, ça prend difficilement feu. Et dernièrement, c'est de maintenir du verre sur l'ensemble de la parcelle toute l'année. Donc là, que vous voyez, bah, c'est l'axial flow de la Cognillet qui est juste derrière moi. Il y a aussi David qui vient de commencer à semer, à suivre la machine parce qu'on va essayer de garder en quelque sorte le frais de la parcelle pour pouvoir implanter la graine. Ici, ce sera du sorgho fourragé qui va être planté à la suite de l'avoine. Et donc voilà, donc on va aller le voir pour avoir un peu plus d'explications et je vous laisse me suivre. Bon bah je viens de rejoindre David, justement bah là David est en train de semer du sorgho fourragé, c'est ça David? C'est ça ouais, c'est du sorgho, pardon. C'est ça ouais, et alors justement je me posais la question, enfin on se posait la question, pourquoi est-ce que... le choix de semer du sorgho dans cette parcelle. Alors là on est juste derrière la moissonneuse, là il y a un petit peu d'humidité résiduelle qui va rester 24h, 48h, parce que tu vois que le soleil commence à taper. Par capillarité ça va sécher très vite, donc si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour que le couvert lève, ce qui compte c'est vraiment de semer le plus tôt possible derrière la moissonneuse. D'accord. Et ensuite pourquoi le sorgho? Parce qu'on va semer du colza dans cette parcelle, donc dans un mois et demi maximum on est à semer. J'ai choisi un couvert végétal qui pousse très très vite en conditions estivales, parce que je sais que de toute façon il va rester qu'un mois et demi en terre. D'accord. Alors tu parlais justement de tout ce qui était conditions de semis, donc là on est en train de semer sur des chaumes, donc là c'est coupé relativement haut. La paille n'est pas gardée ici? La paille on la laisse pour nourrir le sol. Mm-hmm. On faut chasser haut pour une raison simple, c'est qu'on sème avec notre semoir à disque et donc ça passe très bien même si on a des étoiles hautes. La moissonneuse batteuse peut aller un peu plus vite parce que la moindre paille à digérer. Et puis les sorgho qui vont lever, ils vont être un peu à l'ombre, c'est que mieux pour le démarrage. D'accord, ok. Et donc on regardait tout à l'heure avant de commencer le champ ici, ça a été semé en direct. Ouais, alors c'est. Il ne faut pas crier cocorico trop vite, mais on a quand même trouvé une. Je suis hyper content parce qu'on a trouvé une rotation, enfin une succession de cultures qui permet en bio de semer en direct. Donc là en fait on avait un champ, on avait récolté pour la graine, et on avait semé en direct sans aucun travail du sol une avoine blanche de bonne heure. On a eu peur au gelé, parce que c'est vrai qu'elle était très en avance. En fait, on a fait vraiment un très bel itinéraire, puisque là, sans travail du sol, sans désherbage mécanique, sans aucun coupe pulvérisation, on a réussi à faire notre linéaire technique
complète. En restant relativement propre. Ouais, c'est ça, bah, tu connais, on est propre et le rendement a l'air beaucoup plutôt une bonne surprise. Ouais, tout à fait. Alors justement, c'est peut-être aussi dû à l'implantation du sarrasin qui est une plante allélopathique, si je me trompe pas. Ouais, alors ça c'est pour autre chose. Hein. Je pense pas que le fait que l'avoine soit propre soit dû au sarrasin. Ça c'est vraiment dû au fait qu'on a semé derrière le champ sans remuer de sol et donc on n'a pas fait relever tout simplement la plante. Après le sarrasin lui dans sa bande là à côté, là, enfin de chaque côté, oui il se maintient propre parce qu'il a cette propriété. D'accord. Et en revenant sur l'itinéraire technique, donc cette rotation elle est constituée de combien d'espèces végétales? Au moins 7, sur 7 ans en bio. Pour réussir à travailler le sol le moins possible et maintenir les cultures propres. Tu peux voir là le sarrasin de très propre et l'avoine vraiment propre. Et ça fait combien de temps déjà que cette parcelle est en bio? C'est la 6e récolte. Ah, donc, on attaque la 7e, à droite ce sera la 7e. D'accord, ok. Et l'autre particularité, on peut le voir là vraiment, alors là cet après-midi c'est très visible, le fait de semer ces bandes de 12 mètres dont l'objectif est de booster la biodiversité fonctionnelle de la parcelle, on le voit bien. Derrière, l'avoine, on est vraiment sur un désert. Alors certes, on sème notre couvert tout de suite, mais pendant 3 semaines, il n'y aura quasiment rien de vivant là-dessus. Il n'y a plus à manger pour les organismes du sol, les insectes. Alors que nos bandes de sarrasin, là, sont en pleine fleur, ça grouille. D'insectes. Ouais, exactement. Bah, j'ai bien vu tout à l'heure en passant, c'est impressionnant la vie qu'il y a. Puis même, on voit les éperviers au-dessus du champ qui guettent toutes les petites bestioles qui peuvent sortir du champ. Ça sert aussi de refuge en quelque sorte. Bah, exactement, on a des bandes qui servent de refuge. On parle de corridor écologique, que la faune puisse migrer là, de 6 mètres maxi de chaque côté pour aller retrouver un environnement agréable. Ok. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas énormément d'effet bordure. Comment est-ce que c'est géré justement cet aspect de présence d'adventices sur ces bordures et ensuite de l'effet bordure comme on l'appelle en tant que tel? Ouais, alors l'effet bordure on l'a sur certaines cultures, c'est-à-dire que c'était par exemple le maïs, pour d'autres cultures ça peut être négatif, donc c'est quand même une des limites de cette technique, c'est-à-dire qu'il faut réussir à maintenir la bordure propre. Hein. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est des bandes de 12 mètres. Mais de temps en temps, en fait, on fait plutôt des bandes de 13 mètres et de 11 mètres. D'accord. Pour qu'on arrive à nettoyer comme il faut la bordure. Donc là, c'est le cas. L'avoine, elle faisait 11 mètres et le sarrasin, 13 mètres. D'accord. Pour justement ne pas se laisser envahir. Ok. Donc là, c'est la raison pour laquelle, la fois de cette année, la bordure, elle est nickel. On n'a pas du tout. Ouais, j'ai bien vu justement. L'Atlantis. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses. Il faut faire attention parce que sinon on aurait vite fait de faire un salissement important à tous les kilomètres. Tout à fait. D'accord. Le sarrasin il va être récolté à l'automne. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu d'implanter à la suite de cette culture? Derrière le sarrasin, on va faire une céréale d'hiver, je pense que ce sera un blé. D'accord. Parce que c'est vraiment une culture justement par son effet allélopathique qui est intéressante dans l'itinéraire bio sans labour. Maintenir des parcelles propres, donc on sèmera une céréale, mais pas seul, on la sèmera en association. Je pense que ce sera un blé en association avec le févrole. D'accord, ok. Et donc les autres cultures, là, ça va arriver peut-être à maturité, donc ça va être récolté, je suppose, dans quelques semaines. À la moisson, là, on commence la moisson aujourd'hui, mais okay. Je pense que la semaine prochaine, les céréales d'hiver vont arriver à maturité. D'accord, ok. Bon, c'est super, merci beaucoup, David. Et ben, oui. Moi, je vais retourner faire d'autres tournages de moisson. À travers la France. Ouais, j'imagine. C'est bien, là c'est la saison. Hein. Ah oui, exactement. C'est quand même le fruit du bien de travail, c'est un super moment pour tous les agriculteurs de récolter les fruits de ces presque 12 mois de travail. Tout à fait. Et bon courage et bonne moisson. Ouais. Merci beaucoup David. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, ce type de format où j'explique un peu ce qui se passe à la Coninée à travers les différents chantiers qu'on a pu croiser durant cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines et je vais en profiter pour vous partager mes vacances puisque je vais faire une saison en ETA sur une moissonneuse.
Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de poster régulièrement sur Instagram en story quelques petites images et quelques petits avant-goûts de ce que je vais pouvoir rencontrer. Pardon. Et puis bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et même à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et moi je vous donne rendez-vous donc à cette prochaine vidéo. Et jusque là, je vous souhaite un bon week-end et surtout une bonne semaine. À la prochaine !